The Afro Rocker, c'est ben, ça part de l'afrobeat et ça l'amène ailleurs. Je suis rentré dans le groupe en tant que choriste. Et puis, au fil des années, je suis passé devant. Et j'ai été rejoint par Anonymous. The magical thing is the way our voices and spirits come together. In our way of creation, in our way of interpretation, in our way of movement, in our way of dance, in our way of sharing the front line or the lead space. C'est très imagé chez Anonymous, c'est vraiment de la poésie. Alors moi j'ai tendance à aller direct sur le truc. Je pense qu'on avance tout doucement vers la coécriture. On n'est pas en train de donner une leçon ou de planter un doigt, mais plutôt de dire voilà, notre monde à nous c'est ça. On a gardé tout le squelette rythmique de la musique de Fela avec le drumming de Tony Allen qui est assez unique et qu'on a essayé d'intégrer du coup aux compositions pour arriver à la même transe et au même psychédélisme qu'on retrouve dans la musique de Fela. Moi, mon rôle en tant que clavier, c'est un peu de prendre la place des cuivres pour faire tout ce qui est l'arrangement des backgrounds derrière les vocaux, pendant les refrains, et d'essayer de trouver une texture sonore qui soit en fait différente de ce qui se fait réellement dans l'afrobeat traditionnel. Et l'idée, c'était de poussiérer l'héritage de Fela Kuti, qui est le créateur de cette musique. Et d'y mettre un peu moi toutes mes influences plus modernes et d'intégrer des gens qui viennent d'autres univers et de ramener cette musique au temps moderne. Voilà, Afro Rockers goes on. Maxi on vinyl, Kisapel until we meet again. So it's Afrobeat, it's psychedelic rock, it's one kind of groovy hip hop afro and one traditional rockin' Afro Rockers! Woo! Yeah!